Zami prem bral kay zami loin. Zami prem bral kay zami loin. Yo ti zami loin, c'est l'argent serré. Mes amis prêts, c'est couteau de bord. Mbral oué si c'est vrai. Phénomène insécurité a cap monté à force journée aujourd'hui. C'est une insécurité planifiée pour justifier présence une force militaire dans le pays d'Haïti d'après dirigeant mouvement Nous Conscients et Ben Skade. Qui fait qu'on est insécurité qui est en dans pays a dans intérêt premier ministre Ariel Henry. Il mandé population pour tourner avec mouvement Bois Calais contre toute qualité gang qui empêchait le marché en dedans pays a. Dans un rapport il mettait d'ailleurs collectivité Défense Plus recensé 600 cas assassinat pendant 6 mois dans l'année 2023. Eh bien, mettez sous 271 cas kidnapping, sans compter moun qui déplacé, qui te kayo à cause phénomène insécurité. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dirigeants organisation droit moun sa, dénoncer comportement l'épée vague autorité devant Zak insécurité. Juge Bernard Saint-Ville prête serment mardi 25 juillet comme nouveau doyen tribunal premier instance Port-au-Prince. Doyen qui remplaçait dans Pansila, Chavan Etienne. Sous initiative syndicat transport terrestre haïtien, 3 journées grève annoncées dans 10 départements pays a sorti lundi 31 pour arriver mercredi. Des route qui vini là dans l'idée pour exiger gouvernement doit baisser prix gaz là à 40%. Dirigeant alternatif syndicat pour transport moderne, Jacques Anderson Desroches, qui dénonce mauvais foi autorité concernée dans le dossier gaz là, invite tout l'autre groupe organisé pour yo pote coller pour mouvement si là capable yon réussite. Diverses organisations continuent à exiger appliquer décret 9 mars 1995 là, sous dossier gaz là. C'est qu'un mouvement politique, Nous Conscients qui m'a des gouvernements, faut qu'yo descende prix gaz là à 40%. Parce que prix gaz la descend bien bas dans le marché international. Assassinat enregistré pendant 6 premiers mois dans l'année 2023. Mette sous 271 kidnappings, sans compter moun qui déplaçait, qui te kayo, cause phénomène insécurité. C'est bilan rapport collectif Défense Plus présenté mardi 25 juillet sous situation droit moun dans pays d'Haïti sorti janvier pour arriver juin 2023. Dans rapport ça, collectif Défense Plus dénoncé passivité autorité dans dossier insécurité. Responsable affaires juridiques collectif Défense Plus là qui c'est Jean-Delis Wilkinson dans intervention le mandat gouvernement penché sous différents problèmes pays a fait face pendant dernier moment yo là un pays qui mouri par zak violence misère la pérèse ak souffrance c'est mot ça yo que expert indépendant Nations Unies William O'Neill t'a utilisé l'elle t'a décrit situation malouk qui pays d'Haïti a confronté. En effet, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, PIA continue à plonger chaque jour plus dans une crise sans précédent. Malheureusement, le gouvernement qui vient en tête le Premier ministre Ariel Henry n'a jamais arrivé à respecter l'engagement envers la société haïtienne. C'est insécurité généralisée, pauvreté, c'est vulnérabilité paysan face à la catastrophe naturelle, c'est remontée car choléra. C'est tout ça à plusieurs autres encore qui contribuait, encore qui constituait quotidien monde qui vivent dans le pays d'Haïti. Défenseur Plus, dans la mission qui pour défendre et faire promotion de la monde, rédiger rapport semestriel ça, dans l'idée pour lui non seulement inciter l'État pour reprendre responsabilité, mais tout pour lui inviter ou encore pour lui informer internationalement sur divers cas de violation de la monde qui fait dans 6 premiers mois année 2023. Pour réaliser rapport ça, nous procéder à recherche documentaire, nous consulter rapport hebdomadaire nous qui mettait accent sur droit civil et politique, sur droit socio-économique et culturel, sur droit monde spécifique et droit solidarité. Nous dresser un ensemble de recommandations qui adressaient différents problèmes qui ont rapport à droit monde dans le pays. Droit civil et politique gain rapport avec droit à la vie, avec droit à la sécurité, avec fonctionnement la justice, accès au service public, avec droit pour monde manifester et puis liberté la presse. Nous-mêmes dans le collectif Défenseur Plus, nous avons gardé l'évolution
suspension droit la vie pendant 6 premiers mois année 2023. Nous voyons que droit la vie pas suspendre passé en papier. De janvier à juin, nous enregistrons plusieurs cas d'assassinat. Parmi eux, nous gagnons 6 policiers qui mourent assassinés. Yon ti moun 14 ans et gen journaliste tout. Malheureusement qui tombé par balle bandit, gen pile tout qui malheureusement que kidnappé. Défenseur plus enregistré 600 cas d'assassinat et li enregistré 271 cas de kidnapping durant 6 premiers mois année 2023. Et plusieurs autres monde qui mourit malheureusement dans mauvais conditions route qui mourit par accident routier. Nous pas vle oublier tout silence autorité yo face à mouvement Boakalia qui fait plus passer 200 présumés bandits mourir ni silence tout face à plusieurs autres monde qui ont violé qui ont assassiné papi les papaquet bal bandit rete la vie moun sa yo. Et plusieurs autres monde tout malheureusement qui obligé quitter kayo quitter Là nous voyager nous garder système judiciaire pays d'Haïti pendant 6 premiers mois ça yo nous avons son système judiciaire malheureusement qui toujours sous béquille grève pour meilleures conditions de travail traitement dossier yo qui lent une trentaine juges que CSPJ pas certifié en pile pour cas corruption problème qui gagne dans détention préventive prolongée tout ça yo montré à clair situation encore état radiographie système judiciaire pays nous. Nous voyons nous tout garder accès à service public malheureusement. Moun ka vive dans pays d'Haïti, population haïtienne nan pa gen accès à service public yo. Collectif Défenseur Plus nan rapport ça mette accent sou accès à service de base moun ki vulnérable yo pa gagné tankou éducation, santé ak alimentation. Conseil national sécurité alimentaire déjà recensé 4.9 millions haïtiens kap vive nan insécurité alimentaire ak environ 15 000. UNICEF dit que qui risque mourir poitriné Lekene Jensen du fort qui mande autorité yo travail pour résoudre problème si là dans cadre rapport ça tout nous voyons garder droit à l'éducation droit à la santé droit à l'alimentation qui fait partie deuxième génération droit moun yo qui c'est droit économique social et culturel pour droit à l'éducation nous observons que élèves yo te fait plusieurs jours voire même plusieurs semaines que vous pas arrivé à l'école. D'ailleurs, l'école là pour plusieurs élèves, c'est presque en janvier elle a commencé. L'autre problème encore qui était posé, problème insécurité pour élèves yo pèdi. Jou l'école, grève professeur qui a réclamé salaire que l'état doué pendant plusieurs mois fait élèves yo pèdi. Jou l'école, mais tout, gen plusieurs élèves que yo t'est arrivé soit kidnappé, gen t'est prend balle et gen même qui t'est arrivé mourir pendant que yo t'a pas l'école. Pour droit à la santé, donc capable dit pendant 6 mois ça yo, ouais que dans affaire santé pays a t'est connait plusieurs défis. Défis tant ou choléra qui était recommencé en 2022. Nous avons un cas choléra yo gen 46% dans cas ça yo c'est de ti moun qui gagne soit pipiti que 14 ans qui rivé contacter maladie ça. En plus l'hôpital yo a fait face à des défis tant pour pas gagne assez de matériel pour fonctionner, moun a mouri à cause de manque de soins et moun ki pi vulnérable yo pas capable rivé bay tête yo soin la santé parce que pas gagne moyen pour ça. Et tout pour question droit à l'alimentation capable dit droit à la manjaille, manger qui t'a de disponible en quantité et en qualité, c'est ça l'état supposé. Mais nous, plutôt que depuis plusieurs mois, je ne vais pas dire même depuis plusieurs années, le pays a fait face à une crise alimentaire. Les vins plus compliqués pour ménager ou répondre à la quantité de manger que tu dois consommer. Un pays côté prix produit a augmenté chaque jour. Gagné selon CNSA, qui est le Conseil national de sécurité alimentaire, près de 4,9 millions haïtiens qui n'ont insécurité alimentaire et qui ont besoin d'une aide urgence. Collectif Défenseur Plus a recensé dans ni pays. Il y a 51 femmes avec tifi qui victimes zak violence. Yon situation qui chaotique d'après défenseur de Wamouna qui te profite parler de quantité migrants certains pays a pimpé dans pays d'Haïti. Entendez Mardoché cher enfant qui te parle dans Mikotak 609. Dans le cadre de ça, collectif Défenseur Plus, vous et j'ai gardé situation droits humains spécifiques. Nous voulons parler de catégories nous considérons comme étant vulnérables, à savoir timoun, migrants, femmes ou bien moun qui vivent avec une situation handicap. En ce qui a trait avec droit timoun, nous voyons que la situation sociopolitique a affecté droit pour timoun nous apprendre dans bonnes conditions.
côté que enlèvement et insécurité te fait grand ensemble école qui pas de fonctionner comme ça doit. Et si nous t'as pas apprendre non climat Perez, il y a plusieurs et directeurs d'école qui te recevoir menace pour question kidnapping. Entre autres, nous t'as parlé tout de si moun qui a vivre dans quartier qui affecté par groupe armé yo, côté que gien qui soit directement ou indirectement et victime de situation insécurité. En ce qui a trait avec situation alimentaire là, nous avons grand pile petit monde qui dans insécurité alimentaire. UNICEF ba un chiffre qui montre que gien 3 millions de moun qui besoin aide alimentaire urgente. Et en plus, il y a 115 000 là-dedans qui risquent de mourir de malnutrition. En ce qui a trait avec droit femme, eh bien, situation de sécurité a tout impacté les femmes actifiques, côté que il y a une quantité de femmes qui subissent violence sexuelle de la part de gangs armés. Et il y a tout situation de femmes qui sont dans le milieu rural, souvent qui passent sous silence, mais qui ont subi violence. Défenseur plus rivé recensé dans le cadre de travail dans le département dernier, 51 femmes et filles qui sont victimes de violence sexuelle et de violence que nous mentionnons dans le rapport. La situation des migrants haïtiens en République dominicaine n'a pas changé. La République dominicaine continue à faire déportation ou bien expulsion massive de haïtiens vers Haïti en condition qui pas appropriée ou bien qui pas répond avec normes internationales ou encore binationales qui régit question migration. Haïtiens ont été allés vers d'autres contrées également dans le même Caraïbes là côté que grand pile haïtiens qui mettaient la vie en péril. Donc a dit entre janvier à mai 2023 autorité turque et caïque yo rivé intercepté 1792 migrants haïtiens et yo voulu retourner en Haïti. Autorité bahamienne aussi en situation pareille côté que entre janvier à mai, yo rivé déporté en Haïti plus de 2000 migrants. Et situation migrants haïtiens autour dans pays Amérique latine c'était pareil côté que gagnien qui rivé victime question manger, pas joindre abri, pas joindre logement avec gagne 7 migrants qui étaient mouri et agence Nations Unies cap gérer question réfugiés rapporté ça. Au final nous garder tout dans rapport là, situation doit mon handicapé, nous n'avons pas de conditions structurelles qui pour faciliter l'intégration de Mounsayo dans le pays. Par rapport avec la situation à la Manta, les défenseurs plus fait un ensemble de recommandations à l'État haïtien pour capable agir sur la situation. Nous demandons pour l'État mettre bon gens moyens à la disposition du juge pour redorer le blason, système judiciaire là, mettre matériel nécessaire pour la police soit capable de faire travail, démanteler les groupes gangs qui a des problèmes sur le territoire. La question de droit économique, social et culturel, nous demandons pour une subvention produits premiers nécessité de quoi nous capables combattre l'insécurité alimentaire là et puis garder qui gens nous cap favoriser un climat qui propice à l'éducation et puis dans question droits humains spécifiques yo nous exiger pour gagner un plus bon inclusion pour monde qui a vivre avec handicap yo et puis créer plus bon conditions socio-économique pour éviter l'immigration massive haïtienne vers d'autres pays. Dans une visite li fait dans la cour ambassade américaine sous route tabac qui logeait diverses familles à cause violence gang yo, Jean Jacqueline Exantus en pile moun connaît sous nom Neg EPA déclaré c'est un plan pour communauté internationale là justifier intervention yon force militaire dans pays d'Haïti. Neg EPA qui prend engagement pour faire échec à plan ça cementer aucun militaire étranger pas foulé sol papa de Salina en tandel nan micro tax 509 pour venir sur territoire papa de Salina et m'a bien content recevoir. Donc si nous pas comprendre ça nous pas dans temps pour nous goumen comme même pas goumen. Moi, pas goumé. Et si on est capable de prendre papa de Salina. Parce que tout le monde à Dieu, c'est à quelques mètres nous y a de vite l'homme derrière. C'est à quelques mètres nous y a 100, 200 mètres. C'est l'armée américaine même, avec Anthony Blinken, qui paye tout le monde, tout le côté, et qui mène nous là. Nous pas besoin de paix. Victoire, c'est pour nous. La petite fille, papa de Salina, tout le monde. Vive papa de Saline, non? Oui, Amérique va reprendre. Nous ne pas besoin de paix. Nous prenons les. Nous demandons tout le monde dans tout pays à le kidnapper. Envahir l'ambassade américaine, Canada, France, une coucher devant eux jusqu'à ce que le problème ne résout. Parce que nous ne pouvons pas sortir là sans problème par résoudre. En bon entendeur, ça. Dis donc, les populations qui là, elles passent en conséquence. Pardon? Population claire pas sans conséquence. Non, il n'y a pas sans conséquence. C'est vite l'homme, yo paye. Yo paye, baye au bateau, tire sous yo, pour yo venir là, qui pour mener yo là. Yo gen animateur, pas yo, qui pour mener yo là, pour qu'a justifier entrée américaine, pour qu'a justifier l'invasion américaine. À la caca, à la bagaille, t'as facile. Ou besoin de vous mettre en Ukraine, mais en Haïti, on n'a pas capable de faire ça.
pays ça c'est pour nous lier. Nous pas besoin pays on pas qu'à prendre des papa de Saline non. Et c'est ça me connaît tant fini pour nous faire Madi Gagbonas. Nous pas qu'à faire Madi Gagbonas encore tant fini. Bon me déclarer la guerre, ben, la guerre me déclarer, la guerre me déclarer. Tout pour interpeller ça, pour interpeller me déclarer. La guerre me déclarer. Vous avez senti où? Après, bagaille pensez mon tonnant. Tonnant, moi-même, moi clair, moi pour manger avec ce qu'elle là. Ça est pour Joe Biden me porter la même. Comment des négociations? C'est parce que le, ou pas faire la guerre avec le monde. Et là, fait la guerre. Et Guaïta Assimi au Mali, il pas de négocier parce que lui-même, c'est la guerre fait. Mais Moïse s'est négocié avec Pharaon selon Exode chapitre 30. C'est négocié, il s'est négocié pour te sortir avec le peuple. Donc, les Américains ont besoin de négocier. Il y a besoin de Skulls and Bones, société secrète, société mystique, pour montrer que ça c'est que ça peut être devant eux, ça a fait ça par eux. Donc, le clair, c'est ce que m'a obtenu, parce qu'il n'y a pas qu'à rentrer sur le territoire, papa de ça. Nous n'avons pas besoin de faire. Caca comme ça. Moi aussi, il n'y a pas qu'à venir. Donc c'est après une négociation là, ou pas jouer si États-Unis tabac ou l'autre pour t'attuer éviter l'homme parce qu'on dit l'autre. Après l'autre, la pas dit, et pas l'autre. Faut apprendre des paroles que nous comprenons. Américain n'est pas capable de l'autre sur Haïti encore. Haïti, il n'y a pas négocier si pour nous quitter on perd derrière toute relation diplomatique coupée avec l'Occident. Et moi, le pouvoir comme je dis, dit toute relation diplomatique coupée avec l'Occident. Philippe, n'arrêtez les gens, là pour les gens. Direz pour d'ailleurs, bye papa de Salintel. Là pour papa de Salimier. Et pour tout en l'air pour papa de Salimier. Et ça, quand nous dit peuple là, rentrez, envahis, ambassade France, Canada, ambassade américaine avec France, Canada, États-Unis. Rentrez Chita jusqu'à ce que le problème ne résout. Donc, c'est clair, ça que vous voulez comprendre, on nous suit, ça que vous voulez aller, on allait, pas gagner quelqu'un comme ça. Et moi qui a mangé Joe Biden là, et moi qui a mangé Anthony Blinken, et moi qui a mangé Macron avec tous deux. Parce que force grand maintenant ensemble avec nous, et pour le bien, t'es dans le temps. En tout cas, qui vivra verra, qui mourra kakara. Mes chers fanatiques, nous connaissons le gars déjà. Juge Bernard Séville prête serment mardi 25 juillet comme nouveau doyen tribunal civil Port-au-Prince. Doyen civil nan tête tribunal la pour yon deuxième fois, li remplace nan poste sa Chavan Etienne. N'a rappelé diverses organisations droit monde dénoncer nomination doyen civil qui vin continuer fait travail régime tête caléa. Bon ça ne dépense pas ça y a vin faire. Y a pas faire découvrir ça. Son la justice comme ça nous gagne. Responsable yon nan syndicat transport terrestre haïtien annonce 3 jours mobilisation dans 10 départements pays sorti lundi 31 pour arriver mercredi 2 d'août kap vini la nan l'idée pour exiger gouvernement baisser prix gaz la à 40%. Dirigeant alternatif syndicat pour transport moderne, Jacques Anderson de Roche, qui dénonçait mauvaise foi autorité concernée, dans dossier gaz là, invité toute l'autre organisation pour y opposer coller dans mouvement si là. Jacques Anderson de Roche, t'es parlé dans micro, TAC 509. Nous t'ai trouvé ces 3 annonces qui étaient dérespectées et haïtiennes, en vertu de la loi du 9 mars 1995, sous les droits d'assistance variable, pour t'ai une diminution sur le prix gazo, pour tout sous prix. Gaz là sur le marché local par rapport à la variation au niveau international, fluctuation. Malheureusement, le gouvernement boudé, 72 heures plus tard, qui était fini couler depuis vendredi dernier, nous tenons aucun, nous pas de coca par le pays, pour nous présenter un calendrier de mobilisation. Parce que le gouvernement n'a pas décidé de faire bac sur l'ensemble de décisions qu'il prend déjà. Et matin, nous avons réitéré position du secteur syndical haïtien devant la presse pour nous dire. On n'est pas changé. Et nous renforcer plus que jamais. Parce que l'annonce nous fait pour demander l'État à changer si tu prends gaz là, pour gaz là qui a baissé, eh bien nous sommes bandes armées, qui sont activées sur tout le pays. Hein, et des annonces qui font, vraiment, qui peut en pile doute, parce que nous comprenons ces stratégies de l'État, les dérifons de l'ANAPROS, les ANADIP parlent de 250 000 gouttes. À 800 000 gouttes de camion payés pour traverser Varoué. Donc nous avons fait la 2021, nous avons fait la même stratégie en 2023, nous dit les mêmes causes, produisent les mêmes effets, mais après dire que ce n'est pas dans les mêmes circonstances. Donc le pays s'est évolué, et nous-mêmes comme acteurs, nous évoluons par rapport à la dimension. Et maintenant, nous réitérons la position, il faut que le gaz descende, il faut suivre ce pétrole des cibles appliquées sur le pays,
pour soulager malheureusement parce que il y a 20% consommation car la transformation avec marchandises et il faut l'état bailler sécurité sur le territoire national. Donc ça yo nous pas faire prendre bas sur yo. M'a continuer à agencer, n'a continuer motiver et n'a continuer multiplier force nous sur tout le pays. Je nous dis le secteur syndical a lancé grève générale pour lundi 31, mardi 31 juillet, mardi 1er août et mercredi 2 août. Grève générale pour protester en face de l'État réel en dirigé pour gaz la baisser dans 40% de moins, de 40% de ce tout galon. Moi, je ça justice pour la population. J'aimerais me dire l'immobilisation démarrer, tout le groupe organisé la vie nationale là, pour te coller. Bataille, ça va bataille syndicale, et c'est bataille peuple haïtien. Et nous tout dit l'État pour finir, on pas besoin de l'aide. Prenez disposition pour tirer 40% de la population à comprendre. Et laissez-nous battre bois volant contentement pour nous dire retirer 40%. On pas besoin de l'aide. Parce que l'analyse de Moutrel, le chiffre disponible, nous avons manipulé l'ensemble, nous avons le même résultat. 40% sur le gasoline, ça justice peuple haïtien. Mouvement politique, nous conscients. Plaider en faveur application décret 9 mars 1995 là dans dossier gaz là qui donc faut que gouvernement descende prix gaz là considérablement parce qu'elle descend bien bas dans marché international là. Youn nan mouvement nous conscient et Ben Skaden nan intervention dénoncer insouciant autorité yo nan gouvernement devant souffrance population li dénoncer en même temps plan gouvernement ak secteur privé a kap manigancer pour yo provoquer yon raté artificiel gaz nan pays a. Antadel nan mikotak 509. Un ensemble de dirigeants soufflant chou reste avec un ensemble de dirigeants qui c'est uniquement saigner y a saigner population, y a continuer saigner population et PHTK 3e version ça qui est dans tête li Ariel Henry quelque part montrer ça. Li montrer par rapport à gaz là, côté que pendant deux fois nèg yo saigner population, deuxième fois bon augmentation prix gaz là qui fait à plus de 100%. Coupé proche population, malheureuse en de pays. Nous qui travaillons dans la factory, parents élèves, nous coupé proche au sein, nous mettons couteau en bas gauche population. Je dis à par rapport à Gaza, nous constatons un seul grand bagaille. Faut que décret 9 mars 1995 appliqué. Li dit automatiquement, Gaza, prix Gaza augmenté, sous marché international, là, sous marché local, là, faut reviser prix à la hausse. Mais automatiquement, inverse la fête, il dit prix a diminué sous marché international, là, faut reviser tout sous marché local, là. Or, monsieur, dame, sanguiné, ça, yo, c'est justement, les prix augmentés dans l'international, là, yo augmenté ici. Mais consulté, on va décider de reviser prix à la baisse. Et c'est dans ce sens, ça, je dis à nous demander, application, décret, 9 mars 1995, là, sans parler en pile. C'est application demandée. Et par faveur, n'a pas de personne là. Application. Et c'est peut-être ça. N'a pas de pinga baye pouvoir. N'a pas de pinga baye certains mouns qui sont dans le secteur privé. Je dis à Gomatrakage, je voulais faire dans tête opinion publique là. Gomatrakage, je voulais faire dans mettre notre dehors. Gain sécurité, mais pile comme il a payé. Oui, gain sécurité. Oui, il a payé comme. Mais là, il y a l'État, si il y a l'État, si il y a l'autorité. Faut qu'on résout le problème de sécurité. Ce n'est pas individu uniquement, non, qui va résoudre le problème de sécurité. Parce que société a bail, l'État dirige une mission pour organiser espace ça pour créer la paix. L'on pas décidé de faire. Et pas population responsable. Qu'on y a, ensemble de monde dans le secteur privé, Abzou, oh, monsieur si, monsieur là, ou qu'on est ça travail là, il y a préparé opinion, mais un éventuel raté gaz sous marché, non souci. Pour handicaper toute bataille qui m'a dérevisé à la baisse du gaz là. Et nous-mêmes, nous sommes conscients, nous disons nous ne prenons pas ça. Et peut-être ça n'a pas parlé ensemble avec la population pour le temps de vous le comprendre. Nous ne prenons pas ça. Et que nous disons, faut que prix a revisé à la baisse parce que prix a chuté sur le marché international là. Nous clair et bataille ça, nous campons derrière, nous ne pas faire back. Ça va se passer, c'est bataille pour bien-être, parce que gaz là, son produit à la fois transversal et stratégique. Phénomène insécurité a, capré monté en force, journée jodi a, c'est une insécurité planifiée pour justifier présence d'une force militaire dans le pays, d'après dirigeant mouvement nous conscient, et bien kade qui fait qu'on est. Insécurité qui en dans le pays a, nan intérêt Ariel Henry. Li lance un appel by population a, pour tourner ensemble avec mouvement bois calé contre gang à sa patte ni agves entendel pour une deuxième fois negazam pas quitter au dormi la nuit tant la journée en particulier moun tabac qui actuellement devant ambassade américaine
moun forja qui pas ka dormi la caillou actuellement parce que gen nèg azam k'ap terrorisé yo moun nan lien kou moun nan sa vient on pa kèt l'autre côté par rapport à situation insécurité planifiée nous gen dans pays a côté que la paix après plusieurs années après fédération gang en dans pays a la paix pour qu'on ka jamais tourner ouais ces derniers temps ça nous constater bon remonter question ak banditisme dans pays a kidnapping commencé remonter violence sous forme ap fait moun pa ka traverser ensemble de zones donc bon remonter zak insécurité au contexte bien déterminé côté que question voyer militaire étranger a parlé dans les Nations Unies et que Ariel même a chieté pour militaire étranger venir sous terre papa de Saline non le seul souci pour le parler dans prison parce que non cité dans l'homme Jovenel pour le faire élection malatune pour le mettre moun pas au pouvoir et ça le besoin régler donc je dis à nous comprendre des machins et on dit tout partisan Ariel dit tout Ariel reposait sous deux branches lui reposait sous insécurité à qui en dedans crise globale que nous vivons là. Donc ça veut dire, comment Ariel va le couper branche, il repose sur l'IA. C'est un contradictoire. Il ne peut jamais créer conditions pour une solution dans la question de sécurité. Il ne peut jamais créer conditions pour qu'on consensus pour crise à résoudre. Parce que c'est là la pérenniser pouvoir et nous comprendre ça. Et c'est peut-être ça la dit population. Le mouvement Bracalote commence ensemble avec là. C'est continuel, structurel, continuel. Et dans l'éventuelle reprise là, Bracalé a c'est non seulement gang à sapatio, mais gang à aversio, faut identifier yo. Faut identifier gang à aversio capable d'alimenter gang à sapat là. Et premier gang à avers là, relé Ariel Henry. Sous intervention organisation Gonaïve d'abord, plusieurs dizaines citoyens foulé béton a mardi 25 juillet dans Gonaïve dans l'idée pour mander ak autorité la police ak la justice pour prendre responsabilité yo pour craser gou gang kokorat sans race qui pas suspend si médaille dans mitan population. Maître Fritz Ner Jean-Baptiste, dirigeant organisation a fait connait si effectivement gang yo pa gen mettre c'est pour autorité concernée yo kwape yo. Mackenzie lui depuis Gonaïve Abdi nous plus sous dossier si là. Divers citoyens en densité indépendance là, si on est plusieurs riz, je n'ai mardi 25 juillet, dans l'idée pour mander à autorité en dans département la Tibonite là, prendre responsabilité au pourquoi pe gang, kokorat sans race, avec toute l'autre gang kapta et banda depuis quelque temps dans département, qui empêche population vaquer à occupation comme ça doit. Après plusieurs parcours dans centre ville là, manifestants y ont été piquet devant commissariat Toussaint Louverture là, dans Gonaïve, côté y ont tout profité, lancer un message à policiers yo. Chef gang yo! En majorité, dit y a des connivences avec le gouvernement. Il y a des connivences avec les politiciens. Il y a des connivences avec les hommes d'affaires. Donc, l'État qui l'a pour la sécurité, il faut mettre tout appareil de justice en branle pour croire le problème de sécurité pour que nous-mêmes, en tant que citoyens, pour nous vivre en paix. Donc, on arrive debout. C'est une raison que Jodia nous venons devant le commissariat pour nous dire prendre responsabilité. Il faut que les policiers moyens, que les policiers ont volonté parce que tu es prêté serment, que tu es sécurité. Responsable, on arrive debout. T'a accusé la justice qui selon eux-mêmes t'a en connivence à gang yo côté gen diverses opérations que la police menait arrêté plusieurs individus qui selon eux-mêmes t'a fait partie gang kokorat sans race là et gen yon juge ak en pile avocat qui toujours à bataille pour na qui façon yo capable libérer présumé gang sa yo coûte que coûte là ou prend yon bandit qui fait partie de kokorat sans race qui pour deux mois en prison et puis grand acharnement avec une batterie d'avocats pour mettre la liberté à travers un juge c'est pour qu'on est il fait partie de association des malfaiteurs. C'est tout, ni avocat, ni juge là, ni même yo aussi bien fait partie de l'association des malfaiteurs. Puis devant, manifestants, yo exhorté autorité concernée yo pour faire appel à la médaille pour porter support by la police là pour faire face à guérilla urbain que gang yo instauré en dans département depuis plusieurs années. Mais gen force armée d'Haïti qui aussi gon spécialité en guérilla urbain pour aller pour pénétrer des zones parce que pour militaire yo, yo gen une formation spéciale qui pour permettre que porter solution à tout type de problème de sécurité. N'a pas rappelé dernier jour sa yo gang kokorat sans race lan vin pi danger nan zak malhonnête ki ap komet kote yo viole tiye kidnappé jan yo vle ak lè yo vle sou route nationale numéro 1 zone à la croix péris ki lè force l'audio a privé menen en opération définitive pour finir ak phénomène gang sa an dan département ces questions tout moun a posé Mackenzie Gonaïve tag 509.